paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous dans ce troisième épisode sur la façon de fabriquer et de créer des cadres photo 10-15 le travail manuel simplet. Très facile, vous avez besoin d'innovation et de concentration sur l'art et la créativité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. في هذه الحلقة الثالثة لكيفية صنع وابتكار إطارات الصور 10-15 بأعمال يدوية بسيطة جد سهلة تحتاج إلى ابتكار وتركيز من أجل الفن والإبداع. Travaille dans cet épisode, toujours dans la même vidéo sur la façon de faire et de créer 10-15 cadres photos surtout. Si vous regardez la vidéo pour la première fois sur la chaîne, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à votre encouragement à continuer à publier plus ainsi les téléspectateurs. Après avoir dessiné un exemple de forme de cadre et sa séparation avec un cavalier, enlever les formes les unes sur les autres et arranger la forme avec l'autre, cela signifie installer une longueur de 15 cm avec une largeur de 10 cm. C'est ce que j'ai accompli dans le deuxième épisode et dans ce troisième épisode. Si Dieu le veut, je vais faire plusieurs étapes pour terminer le cadre. Y compris le remplissage des espaces dans le cadre, appliquer la pâte adhésive à bois avec de la poussière de menuiserie pour le lendemain ou une heure au soleil, terminer le travail en frottant avec du papier de verre, puis en teignant le bois délicat du paquet, puis teindre le visage de la monture dans la couleur de son choix, soit vert ou noir, ou saupoudrer le dessus mac multicolore ou d'une couleur et de l'autre côté pour faire la façade. Le rangement et la pose de gravier et le périmètre de la forme du cadre. Après que le cadre est rempli de gravier et de colle à bois, après tous ces travaux et après 2 ou 3 jours, c'est mieux là. Phase de préparation des pneus arrive, qui est le vernissage des pneus et des jambes avec du sumac ou de la pulvérisation avec des feuilles de plastique. Ici, il est conseillé plaquage sous pression d'air, CAD. على بركة الله لإتمام العمل في هذه الحلقة دائما في نفس الفيديو لكيفية صنع وابتكار إطارات الصور 10-15. وقبل كل شيء، إن كنت أول مرة من المشاهدين الفيديو على القناة فلا تنسى بالإرجاء والاشتراك تشجيعات ولنستمر بنشر المزيد. إذا المشاهدين، بعد رسم المثال الشكل إطار وفصالته بمنشار القفز وإزالة الأشكال على بعضها وترتيب الشكل مع الآخر، يعني تركيب طول 15 سنتيمترات مع العرض 10 سنتيمترات، هذا ما قمت بإنجازه في الحلقة الثانية. وفي هذه الحلقة الثالثة إن شاء الله سأقوم بعدة مراحل لتتمة لهذا الإطار بما فيها ملء الفراغات في الإطار، بوضع عجين لاصقة الخشب مع غبار النجارة في اليوم التالي أو ساعة في الشمس، وتم العمل بالحق بورق الصنفرة، بعدها صباغة الخشب الرقيق أي الباكيت، ثم صباغة واجهة الإطار باللون الذي أختاره سواء بالأخضر أو الأسود أو لون ما، أو الرش عليه بالصنف متعدد الألوان أو بلون واحد. وفي جانب آخر لعمل واجهة ستيف ووضع حجر الحصى محيط شكل الإطار، بعد محاطة الإطار الملء بالحصى ومع لاصقة الخشب. فبعد كل هذه الأعمال وبعد يومين أو ثلاثة يا أحسن، يأتي مرحلة تهيئة الإطار وهي الإطلاء. الإطلاء بالفيرني بالنسبة للإطار والأرجل بالسمك أو الرش بالأوراق البلاستيكية، فهنا يستحسن الإطلاء بالضغط الهوائي أي فلاش فقاعات. Thank you.
voilà, honorables téléspectateurs, notre épisode se termine. Merci pour le bon suivi. Suivez-nous dans le 4e épisode pour raconter la suite dans la sécurité de Dieu. وإلى هنا مشاهدين الأفاضل تنتهي حلقتنا أشكركم على حسن المتابعة تابعونا في الحلقة الرابعة لتروا التتمة في أمان الله